les états généraux de l'éducation organisés en 2000, que le gouvernement djiboutien et donc l'État djiboutien s'est attelé à développer l'éducation nationale, placée bien sûr au cœur des priorités de l'action des différents gouvernements qui ont succédé à la tête du pays. Et juste pour situer Djibouti, il s'agit d'un petit pays, à peu près de moins de 1 million d'habitants. Elle se situe bien sûr en Afrique de l'Est, aux portes de Bab el-Mandeb, qui est bien sûr une position géostratégique importante. Depuis quelques années, Djibouti connaît bien sûr une croissance économique de 6 à 7%, ce qui est bien sûr très encourageant. Et surtout, nous avons le dire officiellement que le système éducatif djiboutien actuel, après bien sûr d'énormes efforts d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire que le système djiboutien, ce qu'il est mis en place et ce qu'il est aujourd'hui, est un système qui permet bien sûr à. Parce que tous les enfants djiboutiens, tous les enfants djiboutiens ou non djiboutiens, puissent bénéficier d'une éducation de qualité.